J'ai vu Boer sur la place en uniforme, ça y est, il a repris ses fonctions. Oh, bah, je te cache pas que ça me soulage, hein. J'avais un poids sur la conscience. Oui, bah, t'as bien fait d'aller témoigner. Pas que j'aime spécialement ce type, mais c'était pas juste qu'il paye pour quelque chose qu'il a pas fait. Tu sais, j'ai laissé au commissaire Madigan l'adresse qu'on avait inventée ensemble. Mais j'ai pas eu l'impression qu'elle me croyait vraiment. J'espère que j'aurai pas d'ennui. Tu crois qu'elle a que ça à faire, à traquer une petite masseuse? Non, non, t'inquiète pas, c'est réglé. En revanche, il y a une chose que je vais regretter, moi, c'est le massage d'un anti. Ah, ça. Tu veux pas t'y mettre, toi, au massage indien? Oh, comme si j'avais que ça à faire, avec le boulot que j'ai. Mmh, pas pour soulager le dos de ton petit mari. Oh, chochotte. Par contre, j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Ah ouais? Avant de partir, Ananti m'a laissé une petite réserve. Oh non, 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 jette-moi ça tout de suite. Mais pourquoi? C'est rien que du naturel. Ça nous a pas fait de mal jusqu'à présent. Myrta, c'est de la drogue, il faut s'en débarrasser. Oh, de la drogue, tout de suite les grands mots. Ça nous a fait du bien, pourquoi s'en priver? Oui, mais c'est illégal, allez, donne-moi ça tout de suite que je le fasse disparaître. C'est de la lavande, andouille. Oh, c'est malin, tiens. Tu as cru, hein? Ben oui. Tu me vois me droguer, franchement. Écoute, je t'ai vu à 3 massages par jour, alors oui, je t'en crois bien capable. Hein. Bon, faut me surveiller. Et dès que je commence à chanter du Bob Marley, tu m'envoies en cure de désintoxication.